Journal de bord de Catherine Jones. Je viens de croiser une bande ivrogne qui a agressé une jeune fille de joie. Et ne recommencerons pas. Traduction vocale en cours. Je suis vraiment navré que vous soyez instrument de ma passion. Mais si cela peut vous rassurer, je fais ça aussi pour me nourrir. T'as enfin fini ta sieste ? Ce n'est pas une sieste, c'est une transe interdimensionnelle. Combien de fois je te l'ai dit ? Ouais. Tu vas arrêter de bouder ? On dirait que ça te fait aucun plaisir d'être dans cette ville. Paradox City coincé dans une époque ancienne ? Ouais, c'est beau, mais j'aurais préféré visiter ça dans un autre contexte. T'as entendu ? Un hurlement ? Dépêche-toi, Elton! J'arrive! Waouh! C'est dégueulasse. Assez. Le sang est encore frais. Tu sais ce que ça veut dire? Que je boufferai rien ce soir. Et à part ça? Que le tueur est tout proche. Exact. Elton, ça fait combien de villes qu'on visite pour essayer de trouver ce mec qui dévore des cœurs? 8. D'ailleurs, t'avais promis qu'on se prendrait une auberge pour celle-là. Elton, pourquoi es-tu comme ça ? Parce que je suis fatigué. Au diable, la fatigue des gens meurt ! Ouais. Il y a quelque chose d'évident, Elton, qui m'échappe. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'énerve. J'ai retrouvé cet oiseau le transformé en rôti. Est-ce que je peux vous poser une question ? Comment ça se fait que vous soyez encore vivante ? Ce stupide piaf a visé ma cicatrice de vie. Oh. D'accord. Attendez, vous avez parlé d'un oiseau ? Laissez tomber. Je vais le retrouver et je vais le tuer. Si vous me suivez, je vous castre. Je suis amoureux. Ouais, t'es tout le temps amoureux, toi, de toute façon. De toi, mon ange. Ça me fait plaisir. N'est-ce pas ? Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais on a un oiseau à retrouver. Il voyage comme nous entre les dimensions, non ? Donc tu devrais être capable de détecter l'énergie qui dégage en créant des failles. Parce que j'ai le pouvoir de voir les failles. Bah oui. Oh, Elton. T'es un génie. On me le dit souvent. Oh, t'es un génie. Je pourrais t'embrasser là maintenant. J'ai eu ma dose hier soir, mais c'est gentil. On y va ? Ça peut être une bonne idée. Ça te manque parfois le vrai monde ? Celui où t'es né. Celui où t'étais avant de mourir. Celui où t'avais un frère jumeau. Et un métier de comédien. Parfois. Elton, je t'ai pas déjà dit que c'était pas bien de vivre dans le passé ? J'aimerais bien que tu me dises la vérité une fois. Histoire d'être sûr que tu me baratines pas. En parler, ça me file la migraine, d'accord ? Ouais, c'est sûr. Par rapport au tueur qu'on poursuit, une migraine.
Le deal. En parlant du tueur. Vous. Bonsoir, messieurs. En quoi puis-je vous aider? Vous devez répondre pour vos crimes. Déclinez votre identité. Ne seriez-vous pas Joshua Parker? Non, ça c'est moi. J'ai dit votre identité. Je m'appelle Theodore Wings, héritier de la dynastie des oiseaux chanteurs. Les oiseaux chanteurs sont réputés pour être les créatures les plus sages des dimensions. Mais nous le sommes. Vraiment? Vous pensez que c'est intelligent de bouffer des cœurs? Les cœurs sont devenus la seule nourriture qui arrive à combler ma faim. Je suis amoureux. Bref. Peut-être vais-je manger votre ami. Vous touchez à un seul de ses cheveux et je vous enfonce votre bec dans l'arrière-train. C'est pour ce genre de moment que je t'aime bien, Joshua. Tu me fais rougir, là. Occupe-toi du méchant oiseau. Ok, c'est bien. Ok, monsieur l'oiseau. Je vais vous téléporter dans la juste prison. Si vous vous rendez sans faire aucun souci, je m'assurerai que vous soyez bien traité. Vous voulez mettre un oiseau en cage? C'est typiquement humain. Ok, Elton, recule. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Plus je mange de cœur, plus je deviens puissant. Vous n'êtes que des insectes à mes yeux. Je vais tuer le célèbre Joshua. Ainsi, toutes les dimensions sauront qu'il faut craindre Theodore Wings. Ça va? Derrière toi! Non! Tu fais moins le malin maintenant. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Joshua déteste les meurtres. Joshua devrait se réveiller et regarder dans quel monde il vit. Je ne vous laisserai pas mourir seul. Je vais vous téléporter dans votre dimension pour mourir avec votre peuple. C'est trop tard. Est-ce que vous avez une dernière volonté? Quelque chose que je pourrais faire quand vous serez plus là? J'ai un fils qui s'appelle Léopold. Dites-lui que je suis désolé. Ok, pas de soucis. Une guerre approche, Joshua. Et mes amis vont vous détruire. Préparez-vous. Il a dit que la guerre approchait. Il y a toujours des gens qu'on aime qui meurent quand il y a une guerre. Pas que tu meurs, Elton. Thank you.